Sérieusement, ça m'a fait vraiment plaisir de passer l'aventure avec vous autres. Sérieusement, profondément, ça a été une belle aventure. Je vous remercie beaucoup de m'avoir gardé jusqu'ici parce que sans vous, sans vous autres qui m'auriez appuyé comme ça, là, je serais parti rapidement. Cette fois-ci, qu'on le veuille ou non, la stratégie, c'est les éléments que j'ai pu apporter au n'ont pas été comme dans le Lovecraft. Ça, j'en suis conscient. J'étais un petit peu. J'étais arrivé ici presque enchaîné, déjà en partant. Il n'y avait pas grande marge de manœuvre pour moi. Mais vous m'avez quand même fait le plaisir de rester jusqu'à la fin. C'était quelque chose de. Écoutez, d'extraordinaire. Je crois que j'ai été sauvé, immunisé. J'ai ressenti l'appui que vous me donniez à l'extérieur. Puis peu importe ce qui arrive demain, sérieusement, je vous remercie beaucoup. Vous avez fait plus pour moi que ce que j'aurais pu attendre. Puis de ce côté-là, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire tout le respect, l'admiration que j'ai pour vous autres. Parce que sérieusement, je ne sais même pas si moi, personnellement, je me serais appuyé aussi fortement. J'espère que je vous ai donné un bon show durant toute la saison. J'espère vraiment avoir été à la hauteur de vos attentes. Je sais. Peut-être pas. Je sais pas. Vers la fin, j'ai vraiment manqué un petit peu de jus. Je le regrette beaucoup. À la fin, j'étais plus capable. J'étais en mode survie ou presque. En plus, bon, soyons francs, tout ce qui était stratégique ou. Qui était plus stratégique à la fin avait comme plus d'importance une fois que c'était un balotage global. Il n'y a pas grand chose à faire rendu là. Et l'autre fois, ça a été balotage de mettre 4 personnes. C'était impossible que je m'y retrouve pas. Surtout improvisé de la sorte à la dernière minute. Donc les deux dernières semaines ont été plus rough un peu. J'ai essayé de me donner à fond. J'ai pas tout accompli ce que je voulais accomplir, sincèrement. J'ai tellement de choses. Vous ne pouvez pas savoir l'énergie que j'ai mis avant d'entrer dans le loft. Sur plein de choses, plein de stratégies différentes. Plein de plans que j'avais prévus. J'ai été un petit peu surpris même que Mathieu Cass utilise deux de mes plans, qui étaient la fausse immunité et les petits bonhommes que je voulais détruire à chaque balotage. J'avais ces deux éléments-là comme plan. Et j'en avais fait part. C'est ça qui me surprend de lui, c'est que j'en avais parlé. Puis finalement, je sais pas, peut-être qu'il a pensé que j'allais pas perdurer dans l'aventure assez longtemps, ou j'allais être éliminé quand même rapidement, ou j'allais pas le faire, je sais pas. Mais bref, j'ai été surpris de qu'il fasse ça. J'ai pas été capable de mettre mes autres plans en avant. Puis c'était là-dessus que j'avais consacré toutes mes énergies. Je savais que je partais déjà avec un désavantage, le désavantage que tout le monde savait que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Vous savez, dans une telle situation, c'est sûr que c'est plus difficile de manœuvrer. C'est pas. Déjà que c'est difficile à la base de manœuvrer dans leur story. Quand on rajoute là-dessus le fait que les gens savent déjà que. On est prêt à tout, à mentir, à tricher, à manipuler, à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais ça bloque un petit peu. Je suis arrivé aussi en désavantage sur le fait que, malheureusement, je suis pas... Vous savez, les lurteurs se tiennent souvent ensemble. C'est des amis à l'extérieur du loft, c'est des gens qui se tiennent, c'est des gens qui vont fêter ensemble, c'est des gens... Et de cet angle-là, moi, je suis complètement à part de tout ça. J'ai pas cette approche-là. Les lofters m'ont pas comme connu à l'extérieur du loft, vraiment. Il y a juste certaines personnes qui ont eu la chance de me connaître un peu plus pour diverses raisons. Puis ça a été dommage
Ben ça a été un point faible. Pas ça a été dommage, mais ça a été un gros point faible. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici déjà avec en possession de moyens beaucoup plus que moi sur les gens qui côtoyaient. Donc la CUN a été... C'est sûr que je me suis allié avec des gens que je voyais extrêmement fort au début de l'aventure. J'ai essayé de le rester le plus fidèle possible, de respecter ce qu'il faisait. À un moment donné, dans le jeu, ça a dérouté son émotion. Je prends Arcadio et Dominique qui, eux, ont complètement flippé. J'ai été déçu de ça. Je pensais vraiment qu'on pouvait avoir une alliance qui se tenait jusqu'à la fin. J'aurais aimé cela conserver parce que je savais que c'était des gros joueurs. Que vous vouliez probablement les voir en finale, en tout cas du moins pour Arcadio, à la base. Mais ses actions ont malheureusement mis fin à son aventure. Je suis content, pour la simple raison que c'est lui qui est parti pour moi. Donc, ça, je suis très heureux. Je sais que vous m'avez encore appuyé à ce moment-là. Je sais pas quel nombre de personnes qui m'ont appuyé au-dessus d'Arcadio parce qu'ils m'apprécient. Attendez 30 secondes. Juste 30 secondes.